celle que vous avez lue, pour peut-être en discuter. Quand un individu va mettre des pièges dans la maison de celui qui... De Collignon. Ah oui. Oui, voilà. Ça, c'était pour qu'elle ne fasse pas que des choses gentilles et positives, pour qu'on ne soit pas trop dans un moment, effectivement, quand elle voit que, il est, que son passe-temps favori, c'est quand même d'humilier son, son employé, elle décide, avec son même esprit, de créer des petits stratagèmes, elle les fait, et là, en purement négatif. Donc, on apprend dans les écoles de scénario. Notamment, on nous explique que l'exposition du personnage, c'est-à-dire la présentation des personnages, doit être très courte, ne pas excéder. Alors, il y a les Américains ont établi des règles qui, malheureusement, sont un peu imposées, qui sont... il y a vraiment quelques minutes de présentation des personnages, et tout de suite, on doit connaître l'enjeu principal. Eh bien, Amélie, il y a 18 minutes, normalement, tout le monde aurait dû décrocher son nez, parce qu'on défile avant de savoir, mais quel est le... quel est l'objectif? Et l'objectif, ça devient retrouver le propriétaire de la petite boîte de souvenirs. Or, elle le retrouve, mais un quart d'heure après. Donc, normalement, le film s'arrête. Et elle-même, à un moment, se promène sur le pont, je crois, et dit « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant ?» C'est comme si le scénariste disait « Bon, bah, maintenant, j'ai cramé mon enjeu principal, il va falloir en trouver un autre. » Donc, c'est vrai que... Et après, le conflit... c'est vrai que le conflit, il est presque plus intérieur, c'est-à-dire c'est un conflit contre elle-même, c'est arrivé de se libérer de cette part d'elle-même qui l'a fait se renfermer, fuir au lieu, comme elle le fait dans le restaurant, finalement, ce qu'elle doit réussir à dépasser, c'est les obstacles qu'elle se met elle-même. J'ai commencé à écrire des sketchs, des petites pièces de théâtre, et les gens de cette troupe amateur m'ont... faire un livre qui s'appelait « Comment écrire un scénario ?» Et en me disant « Mais c'est vrai que tu devrais essayer d'écrire un scénario, de le placer à la télé ou au cinéma. » Toi, tu es vraiment... tu aimes beaucoup les dialogues, c'est ça? Oui. Alors Jean-Pierre est réalisateur et écrit aussi, ce qui est... C'est pas comme si on était deux scénaristes, c'est quelque chose de différent, parce que lui, il écrit déjà dans l'optique de mettre en scène, c'est-à-dire... tout ce qui relève du visuel. Après, oui, j'ai des films qui ont... Un long dimanche de fiançailles est un film qui a très bien marché, un peu partout. Effroyable jardin est un film qui a pas mal marché. Ça, je le vois parce que nous, les scénaristes, on est rémunérés en écrivant, on est rémunérés sur les entrées, mais aussi quand un film est rediffusé à la télévision. Donc ça, je le vois au fil des années, les films qui continuent à passer, et le record, évidemment, c'est Amélie. Amélie passe au Brésil, en Corée, en Australie, et je touche des droits sur les diffusions télé de ces pays-là. Et ce film est sorti, vous n'étiez pas né, donc imaginez la longévité d'exploitation du film.